ukikuwa chef leo fulana zote ni zako, wafanya unataka, unatia mkazi unapenda, hakuna tena efikasite, vitu vinaharibika, vinaharibika, vinaharibika. Kule chini kuko avenu quartier tuko tunaita industriel, kuko maizine kwa mingi uzeno kumitano leo jini vinakiaka tu industriel. Ukiingeni ukipata ile mahati utakuwa kuko atelier de menuiserie ya va privé, unakuta depo za pombe na basi industrieli kaishia pa jini kawake kumuga feruji pale feruji ulitia jana utakuta basi chako kinini kamwaka feruji hati ya kajua kangali kamupia kila tu labunga na kumbuna pala tuwe kangalia mengi nyumba wangozi wa inchi wafundisha dereva maana wakale kakitu kusudi tujue feru uje ni mimi na kasiba kia pali tu kawende fazi zingine na basufiri basi kabonge ya ndugu wapenzi nika moya tu mwaka jana baka tuambi 30 juin journée de méditation hawa kusema tuende kuma kanisa zetu tusali tushukuru Mungu aliyetupatia uhuru na atufikisha mwaka wa 57 ya uhuru, tumshukuru na sisi kwa hili yote. Lakini wakasema meditation entre nikaita wa Kristo wa Eklesia Katolika tukutanane huko. Mimi nikaambia waongozi la plus grande fête d'une nation c'est la fête de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Hakuna fête inashinda hiyo mwinchi. Kututuma ku meditation ni kama kututuma ku deni. Est-ce que notre nation est morte pour que nous envoie à méditation? Mais quand c'est moi, tout ce qui est exact la ville, parce que pour moi, c'est une catastrophe. Nous devons solenniser notre fête nationale et par excellence la fête de l'accession à l'indépendance. Mukenda kunichungia Kinshasa. Oui, Marie, Alicino, comme le 30 juin, nous envoyons à la méditation, c'est une catastrophe. Bakanitumia mutake nuliza, pourquoi j'ai dit ça? Mika mjibu, oui, je l'ai dit. Et je te l'ai dit. Et si on met à Kinshasa, devant n'importe qui, je vais le répéter. Même si j'ai rencontré le président, je ne lui dirai. Parce que on ne peut pas envoyer une nation à la méditation du jour de son indépendance. Et j'espère que vous ne le ferez plus jamais. Ça, c'est une conviction personnelle, mais qui a mis mon être congolais? Je ne peux pas ne pas me présenter partout où je passe comme Congolais. Parce que Dieu a voulu que je naisse au Congo, que je sois Congolais, que je grandisse en Congolais et que je défende les valeurs de notre pays, de notre nation. Si je commence à me cacher dans les méditations, je risque de ne plus me présenter comme Congolais et je serai moi aussi comme certains ne sont quelque part des apatrides. Non, non. Je suis fier d'être Congolais, je dois le défendre partout. C'est pourquoi j'aime cette fête nationale.
Mais Kinshasa, ça a dit, à DLC. Tout le monde a réuni. Il n'y a pas fait chez Diana. Mais, ce que je veux dire, c'est que tu as célébré Shukrani kwa Mungu makwetu avec notre peuple. À Kinshasa, ici, on organise rien comme église. Ce n'est pas normal que tu nous diffusions au sacristie alors que nous devrions chanter l'hymne national avec notre peuple après avoir écouté la parole de Dieu. Tu comprends, nous, tu commences mes travaux jeudi, vendredi, je vais te raconter la vie de Kaimbaenda, dans ton salle, tu as un peu de monde, tu as un peu de miaka makumi tano na mnane ya uhuru alii walikuwa wamezaliwa wakuwa na hiyo hata ni se quelque chose que nous avons défini dans notre hymne national que nous léguerons toujours à notre postérité. Ou t'as légué nini si tu n'as rien appris à ceux à qui tu dois léguer le pays, la nation et tout ce qui y renferme. Quand nous chanterons l'hymne national, chef au Portugal, tu vas lui en donner un pas. J'espère que nous allons vibrer, mais tu n'as pas ce qu'il y a, même à l'hymne national. Je suis heureux que Léo, par le Sénat Kinshasa, tu as quoi défiler. Seulement défiler militaire. Ce sont les seuls qui ont encore de l'uniforme. L'employeur, l'entreprise, l'Allemagne habite à quoi? Défilé militaire. Mais dans les provinces, célébrer. Aller en culte, aller prier Dieu, ainsi de suite. Et quand je dis que je suis heureux, c'est parce que j'ai suivi un communiqué à la radio où, dans la SEMA, toutes les autorités provinciales, dans toute la catégorie, aller à la messe qui est organisée à la cathédrale d'Oum. Puisque nous avons dit que nous sommes un pays laïque et nous avons accepté la multiplication des églises dans notre pays, il y en a tellement trop que on ne sait plus où on peut aller. Avoir décidé d'aller célébrer et prier à la cathédrale souligne quand même que notre pays est encore en grande majorité chrétien et surtout chrétien catholique. Je voudrais que nous y revenions. Notre être chrétien, notre être chrétien catholique, pour que nous sachions suivre la parole de Dieu qui nous a été proposée aujourd'hui dans notre pays. Mungu kwanza ndugu wapenzi. Mwandishi alifanya sala. Mungu ametupilia wana wa Israeli. Na japo ni yeye Mungu wao, yeye Muumba wao, na ni yeye Mwokozi anayepashwa kuabudiwa. Wakamwomba huruma, utuhurumie tulikosa, uturudishe tena katika urafiki, katika umwana wako, nasi tutajikaza kukuabudu. Nous devons revenir à ça. Kuko wengi leo akipata cheo, akipata franka, atakuwa Mkristo, anasahau Kristo, aenda kumizimu kutafuta nguvu za giza ndio zitamsaidia kubakia kwa ile cheo, kwa ile kiti na kurudia zile franka. Wako wengi wanasambana, wanatangatanga njia ya Mungu
haiko tena. Na kifanya ni jaribu hili, lakini saa nyingine magiza. Watu wa kila namna wanakuwa kuwadanganya, kuambia hivi unakuwa mkubwa, inafaa kwenda ka kitu kwa kukukinga. Ka kitu gani umeshinda Ukaristia? Wanakuvalisha tu vitu, wanakuchanja chanja, wanakupagana pagana vitu, wanakumbuta kuwa unaenda hivi. Il y a là qui entre le bureau de sa vie. Kusubi ya mashetani kwenye walikuwa mdangana na kuchuni. Situ mburu kipo yendre. Mwakama tijidi lepura ya kwenye obiru jama ya kwenye obiru sinongo mbuvuza kwa kutaisha uingia mwasha yeri kwa msa. Oh, papusiku. Mwaitika. Kite lagi. Enzi na ishua. Kile se mburu ya kwenye. Ani kutofi ya wapi. C'est pas possible. Na tunaitika. Mungu anakuwa renege. Laissez pour compte. Na jine Frank, na jine chiyo, on ne voit pas sa sœur à quoi. Tu vas accumuler des comptes en banque, tu as de l'argent en euros, et demande à te délaisser sur cet argent-là. J'aimais les avoir. Mais si tu as investi dans ton pays, quand est-ce qu'on gênera tes avoirs? Ils sont investis, oui. Qui va les gêner? Tes avoirs, comme chef, profite à tout le monde, à toute ta nation, parce que tu les aimes. Tu as le pouvoir, tu as les moyens, tu les investis pour ton peuple, personne ne les gênera. L'année passée, en mai, exactement le 30 mai, j'étais à Bruxelles. J'avais une conférence à tenir à l'Union européenne. Voilà, nous avons gêné les avoirs de tels, de tels, de tels, de tels. Le Kabambia, oui. C'est bien de gêner ces avoirs-là, mais vous pensez que nous, Congolais, nous sommes contents? Pourquoi? Il a l'ambi. Vous avez géré les avoirs de ces gens-là, mais ils sont au pouvoir. Ça signifie qu'ils vont encore chercher sur la population d'autres avoirs. Pendant ce temps, vous, les avoirs que vous gérez ici, vous continuez à les fructifier, créer des emplois, augmenter les salaires, ouvrir des usines et des industries pour votre peuple, pendant que chez nous le peuple souffre. Je ne peux pas être content. Deux, vous dites que je ne vais plus chez vous en Europe. Mais le monde est grand. S'ils ne vont pas en Europe, ils iront en Asie. L'Asie a-t-il aujourd'hui? S'ils ne vont pas en Asie, ils vont aller en Océanie. S'ils ne vont pas en Océanie, ils iront en Amérique latine. Ce n'est pas chez vous. Et avec quoi? Avec l'argent qu'ils vont continuer à prendre sur la population. Et pendant ce temps, la population souffre encore plus à cause de vous pour avoir gêné les avoirs de mes compatriotes parce qu'ils sont au pouvoir chez nous. Ah, si vous voulez nous aider, cet argent, vous savez d'où il vient. Il vient de notre sol, notre sous-sol. Avec les relations que nous avons avec vous. Prenez cet argent. Rapatriez-le. Investissez-le au pays. Créez des emplois pour le peuple congolais. Là, le peuple congolais va vous féliciter, vous applaudir. Parce que leur argent est rentré chez eux et il est en train de servir chez eux. Pas le garder dans vos comptes ici chez vous où il fait du travail. Il ne faut pas. Bakanyambi. Oui, mon Seigneur, moralement, tu as raison. Mais légalement, tu n'as pas raison. Aïe, aïe, aïe. Je n'avais pas pensé à ça. Bakanyambia, on ne peut pas toucher sur un compte de quelqu'un sans son autorisation. Si nous prenons cet argent qui est sur son compte, nous le rapatrions chez vous,
Si demain nous traduisons en justice, il aura raison et nous devons payer cet argent-là. Voilà pourquoi nous le gérons. Aïe, aïe, nous allons trouver une autre formule. Ne plus dégeler l'argent qui appartient au peuple congolais, vous le gardez ici, profite à vous. Pas à nous. Mais ils continuent leur politique de gêner les avoirs. Parce que nous ne vous comprenons pas, nous Congolais, que nous devons investir chez nous. Quand ils chercheront à gêner notre avoir, ils les trouveront chez nous, mais ils ne vont pas la chercher. Changeons la politique, chers dirigeants. Tout le monde a investi le couteau, à part le couteau, avant de gêner les avants. Mais tout à fait, Franga, on a dit que tout le monde a eu le couteau, du coup, on a la possibilité, ça nous dit, tout à fait, ça a été. À condition qu'on revienne à Dieu. Mungu kwanza, mambo mengine, itafuata vizuri. Mwache kuficha-ficha franga na mafumu wa bongo. Mara tuomba, tufiche franga, zisaidie kwa maendeleo ya nchi, sababu tulizitosha mwinchi. Itakuwa na amani. Kama leo tunakumbuka hili, en nous demandant d'aller prier. L'année passée, j'ai dit, si la zone est votée, tout comme la responsable de la situation. 58 ans, j'entends encore crier à la radio, les Belges, les colonisateurs, je ne sais pas quoi. Il y a 58 ans qu'ils sont partis. On ne doit plus ouvrir la bouche pour dire les Belges ont fait ça chez nous. Mais quand les Belges sont partis, qu'est-ce que moi j'ai fait pour que l'histoire sombre du Belge soit oubliée par une histoire positive, bonne, claire, que moi j'écris pour mon peuple, dans mon pays, pour mon pays. On veut continuer à condamner les Belges, encore que ce que les Belges nous ont laissé, nous n'avons même pas réussi à l'entretenir comme il se devait. Regardez. Encore qu'ici chez nous, je vois qu'on a des efforts, mais on achète un bien moindre. Qu'on a fait ce qu'on a fait, qu'on a besoin, mais on dirait qu'il y a une guerre mondiale ici, qu'il y a tout détruit. Ce n'est pas possible. Et si on se débat encore, nous demanderions à l'autorité politico-administrative de gérer les infrastructures publiques pour que la ville ressemble à une ville moderne, parce qu'on peut y arriver si nous gérons convenablement. Le travail. L'apôtre Paul insiste sur le travail. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, assis et tout nuque, assis coulé. Qui l'a mis tout à la place pour évaluer qui l'a assis. Il y a la mouque à souri, il y a celle qui l'a mis. Ça rapporte quoi pour moi, pour mon entreprise, pour mon peuple, pour ma nation, pour l'humanité entière? Si tu n'as rien fait, tu n'as rien droit, nous n'y aurions pas, nous n'y aurions pas. Deux petits mots que j'aime beaucoup, n'aurions pas et n'aurions pas. Comme à retenir qu'à qui tu n'as rien à rapporter à ton peuple, à ta famille, à ta mère, tu n'as pas droit au repas et tu n'as pas droit au repos. C'est ça, le travail anoblit l'homme. Et l'indépendance ne peut venir que quand on travaille. Alors ça nous étonne qu'aujourd'hui, 90% des Congolais sont sans emploi et les 10% qui semblent travailler n'ont pas de salaire. Et nous voulons nous développer comment? Nous voulons chanter l'indépendance comment? Nous voulons dire à qui que nous sommes indépendants? Quand 90% avec tous les diplômes, il y a tous les diplômes qu'on a aujourd'hui, contrairement à 1960, on n'avait que 6 intellectuels. Aujourd'hui, c'est plein des intellectuels qui vont dans les mines pour creuser. En tête dans le trou, moi je demandais à quelqu'un, qu'est-ce que toi qui as un diplôme de licence, tu vas creuser les mines, les minerais quelque part. Ça augmente quoi à ce travail que font ceux qui n'ont pas été à l'école, même pas primaire.
Là, on envie est plus que tu y apportes. Oh, mon Seigneur, c'est pour me débrouiller seulement parce que je ne sais pas faire autrement. À mon aide, comment est-ce? Ah, on trouve la combien tutumiki. Na tukitumika, haujitumiki mwenyewe, unatumikia na wewe, na jamaa, na raia, na ulimwengu mzima. Et ton travail doit être visible et rentable. Tunajikaza kwa kufanya ile kusudi tutimize neno la Bwana. Na kulitimiza ni sababu tunalisikiliza, tunajikaza kulishika, kuliishi, ili lituletee maendeleo ya mwili na ya roho. Na Kristo alipotufundisha, anaanza utumishi wake wa kutangaza neno la Bwana, alianzia kwao Nazareti. Sinagogi ya kwao, akasoma kitabu cha nabii Isaya, akaambia watu, roho wa Bwana ni juu yao, amenituma niwatangazie watu wote habari njema ya wokovu, na nilete mwaka wa rehema kwa dunia nzima. Chacun de nous, kila mmoja wetu, sasa nasikia anakuwa na age responsable, anaweza kutumika, anaweza kumeditate ni parole de Dieu. Roho wa Bwana ni juu yangu. Avec, vous aimez le dire, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Très bien. Mais avec tout protocole respecté, nous devons le faire aussi dans le travail. Tout protocole respecté, et le prochain n'est qu'un appui à mon cadre. Alors, moi, avec mon rang, avec mon titre, avec mon grade, le travail que je fais, il rapporte quoi à ma nation? Il rapporte quoi à mon peuple? Il rapporte quoi à ma province? Il rapporte quoi à ma ville, à mon village? Et ainsi de suite. Ah, roi wa Bwana ni juu yao. J'aimerais que tous aujourd'hui, en célébrant cette indépendance, nous pensions à ça. Chacun de nous, s'il est chrétien, il a reçu l'onction et la force du Saint-Esprit à diviser à la tunique de la roi wa Bwana, à l'impata, kwa ubatizo wake, kwa uzabitisho wake, kwa upadirisho wengine, nilitumika mambo na gani roho ambayo ndiye mpata. Kusudi yoneshe kama ni kweli, unafuata njia za Bwana. Ni watangazie watu habari njema ya wokovu. Comment nous pouvons le dire aujourd'hui? Chacun chrétien de nous a la place de Christ là où il est. Et le Christ est visible parce qu'il est en vous, il est avec vous, il est pour vous et par vous. Roho wa Bwana ni juu yangu, anatuma nitangaze habari njema ya wokovu. Niwaletee wote mwaka wa rehema. Une année de bonheur qui se manifeste par l'amour et la miséricorde de Dieu. Léon, en nous demandant d'aller prier, aller rendre grâce à Dieu, mais aller aussi lui offrir notre projet de vie, tout j'ai même la dame roi Bana, en tout cas dame Mouetou, même la dame Kazi Zébi Massaïdia, ou à tout Kupata Maïcha Mazuri, même la dame Tenila Kumushukuru Mundu, Kwakua Amenipatia, Fazila, Daraja, Nema, Hakupatia, ou Yine Kumushita, mais je vais me faire que tu me quiches à Mazuri, Sam. Il est une aïfanya, Kwakushukuru Mundu. Mais ça, tu l'as clamé hymne national des beaux Congolais. Nabatumba, tu peux unir. Le sort nous a unis et l'effort doit continuer à nous unir pour bâtir ce Congo qui est notre cher et beau pays. Manu, il attend qu'on couvre. Il dit qu'il y a Léon à Soudoui. Dieu s'est couvert, il y a bâtir, chacun de nous doit travailler pour bâtir notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Et c'est là que je demanderai, mon échange pour dialoguer, nous ne sommes pas pour des députés provinciaux. Mais la peine d'un député, à ce point de vue, à Toumbiak,
Le Congo n'est pas dans un ventre de qui que ce soit. Pour dire quand tu as mangé, tu as nourri le Congo. Non, non. On a ta futur député provincial, ou en gagné province de Sico. Donc si vous t'offrez le toque, je ne sais pas où, mais je vous t'offre que j'ai imposé la tour. Nous avons dit que nous avons dit que nous allons encore travailler sur l'éducation civique et électorale pour renforcer notre peuple à savoir évaluer les bilans des anciens et les projets de société de nouveau. Nous avons dit que 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 nous avons Roho Bwana juu yangu, kazi mimi nafanya kwa ajili ya nchi yangu, kwa ajili ya jimbo langu, kwa ajili ya jamaa na wengine wote, kusudi mambo yaendelee mzuri. Et les autres en juillet prochain, les attendons. Après ça, nous retrouverons aussi pour une petite catéchèse et un programme d'année aux élections en famille. Ça va avoir l'objectif du maintenir. Na maendeleo ya kazi haiwezekani. Tunapaswa kujikaza kujitia pamoja tufikiri ile maneno yote hasa siku kama hii ya leo independence accession à la souveraineté internationale nous peuple congolais. Je vous souhaite donc une très bonne fête. Mais avant tout, je dis au moment lancé défi. Wamama wa diocèse ya Bukavu walikusudia tujitie pamoja, tutumike pamoja katika umoja kwa maendeleo ya maisha yetu. Comme ma chrétienne, ils ont décidé kwanza wakafanya acte moya jumelage de paroisse urbaine avec les paroisses rurales. Comme ça, kutakuwa intercommunication, interdépendance de nos paroisses. Mais comme nous avons plus de paroisses en milieu rural qu'en milieu urbain, chaque paroisse de la ville est une à deux, une à trois. En appareillé, nous avons la mille à quatre, la paroisse rurale. Deux autres, la commune est tout connue. Zia leo ziko na miungano ya kuwasaidia kuona wanaweza kutumika na mnaga ni pamoja. Na kwa siku ya independence walikamata makusudia wanasema tuende pale katedrali tutexpose le produit kile haliko kile manio kile maiz kile ainsi de suite ainsi de suite agro veterinaire vinaingia pamoja wanasema tutafanya etalage ya maproduit pour que les gens de la ville achètent les produits et nous on peut acheter les produits de la ville et si nous renforçons ces relations là nous allons être au moins sur le plan alimentaire commencer progressivement jusqu'à un niveau supérieur interdépendant et par conséquent un pays indépendant. Nous n'avons pas oublié que nous ferons gagner à ce niveau bien le quoi. Mais en premier, ils étaient exposés par les Asiaïches. C'est pour aider les mamans qui sont venues avec ce produit-là. Bila la ramara, bila le tourner le transport, on a été dans le pour qui tu es là comme bongo, on a fait qui chape, et voilà. Comment on me dit, Anna? Sous ta moutée, ça double. Pourquoi vous avez dit que tu es copain? Quand on a eu le rasin, on a eu le moule, on a bâti le moule, on a eu le rasin. Il est assez indien. Na msima punji juba niteso uzeji kwa anakambia umepatia 500 francs unabende kutia 20 umuuzie bii na ya toki hapa leo atoki kuli kufilaje wa niti yake atoki hapa nasema leo nilikuwa kufete ya independence Bukavu ataisema mwashi au mkirega au mshu anaisema nasema kukufete ya independence peke. Vous êtes tous gaspillés pour défiler, vous m'avez fait privé, privé, tout le temps, vous souffrez, vous allez aller pour faire la tâche. Nous me remercions, politiciens, moi, mais j'ai encore politicien tout à fait.
l'un de vous. Quand je lui ai dit que je dois célébrer cette fête avec ce partenariat ou ce jumelage de paroisses urbaines et rurales, il m'a dit, cette idée est bonne. Mon Seigneur, je t'envoie 500 roues pour donner à ces mamans-là. Et pour qu'il y ait harmonie, j'envoie aussi quelque chose à manger. Je donne un sac de farine de maïs à chaque paroisse pour nourrir ne fût-ce qu'un pauvre qui est quelque part pendant quelques jours. Il n'a pas voulu que j'investisse à Bruxelles ou à Londres ou à Pékin. Mais il a voulu qu'on investisse ici. Si nous faisons comme ça, vous verrez que nous pouvons aller très très vite à l'indépendance. C'est pourquoi je dis merci beaucoup au moment de nous avoir un peu secoués. Je leur souhaite vraiment cet élan-là parce que, comme vous avez commencé, c'est sûr que les papas vont suivre. Et certainement que moi qui suis curé, je serai là. Et nous allons travailler ensemble. Ce n'est donc pas une œuvre de maman seulement, ce ne sera pas une œuvre des hommes et des femmes, seulement c'est une œuvre de la population congolaise pour qu'elle se prenne en charge. L'initiative est bonne et aujourd'hui, nous lançons officiellement ce qu'on appelle parrainage, un marrainage, comme un d'ailleurs partenariat. Village, ville, mais ce sont des paroisses, tout qui dit casa, tout le monde est indien, mais dans le cas, en moins d'un an, pour être objectif, en moins de 5 ans, nous pouvons changer le visage de notre province ici, et d'autres peuvent nous imiter parce que le développement commence toujours par un. Donc l'idée est très bonne. Nous sommes ici pour célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est aussi une source sûre, la meilleure des sources pour la force physique, la force morale et la force spirituelle. La force physique parce que tu es nourri par l'Eucharistie. La force morale parce que tu t'appuies sur le Seigneur qui est ton Créateur, qui est ton Dieu et qui te protège jour et nuit, qui te donne d'être là. Et la force spirituelle parce que ça te rassure. La communication avec Dieu, on a géré mes jours. Demande, Eucharistie, tapoké à Léo. Quand on a dit encore à Christ, la Église et la catholique, mais il y a la Christ, la catholique, elle se communique. Vous souvenez que quand on est au restaurant, on peut y aller. Non. Mais quand on était au restaurant, il n'y a pas de flamme à prendre pour servir. Et le coup, il s'agit. Nos cathédrales, tu as prié à ta façon, discrètement, pas de la langue économique, mais à ta façon, tu as prié ton Dieu. Et quand les autres auront à les communier, ceux qui sont en état de grâce, au baptême, au angalier et tout, au casque, au même au catéchèse, à quoi on le partage. Mais, ça, tu l'as communiqué en double apaisé, tu es le mémo, à tout jalier, tu m'en aboute, tu m'en chine. Ajikupatie nguvu ya kufanya kazi ya kufanya mzuri, utaleta maendeleo kwa wewe mwenyewe na kwa entourage yako yote, parce que tu auras marqué des signes positifs comme les mamans veulent l'apprendre aujourd'hui. Unapokea Eucharistie takatifu, umwambie Kristo akujalie na wewe kwenye uko kote, ulete hapo amani, ulete hapo masikilizano, ulete hapo matendo, uanze mwaka wa neema kwa watu wote, na hivi tutajenga nchi yetu, tutajenga eklezia na tuonekane rasmi kama
ni kweli tumepata uhuru na uhuru una maana popote tunapokuwa. Wandugu wapenzi, sikukuu njema tena kwa wote, na Bwana awabariki na bariki nchi yetu Kongo milele na milele. Thank you.